Peggy 32. Bon, salut à toi qui verra cette vidéo, c'est Big Pikeman. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo que je vais dédicacer à mon ami Bikil, puisque je vais lui filer la vidéo, puisque Bikil fait sur sa chaîne, je vous présente des collections. Alors moi, aujourd'hui, j'ai décidé tout simplement de vous présenter ma première partie de jeu Nintendo Switch. Je vais vous présenter tous les jeux que j'ai en boîte. Hein, je vous sortirai une vidéo prochainement où il y aura le reste des jeux, parce que si je fais une vidéo où je vous présente tous mes jeux, il y en a pour une. Bon, alors on va y aller vite fait, on va pas se prendre la tête. Hein, alors moi, je possède Peach Ball sur Nintendo Switch, un petit jeu sympathique. Hein, voilà. Je vous présente aussi, j'ai les Pikmin 3 Deluxe. Voilà. On y va vite, hein, on n'a pas que ça à foutre. Alors j'ai aussi Captain Tsubasa sur Nintendo Switch en boîte. Bon, il est pas ouf. Mais il est pas mal, voilà. Alors je te présente aussi, j'ai Yoshi, voilà. Hein, donc je te présente tous mes jeux. Hein. On s'arrête pas, on n'a pas que ça à faire. Ça, c'est une compilation de Chute, voilà, qui est pas mal. Il y en a trois, hein, j'en ai qu'une sur les trois. Et ça commence à côté une blinde, voilà. Alors là, t'as Rayman, hein, Rayman Legend, un super bon jeu de plateforme. Si tu kiffes les jeux de plateforme, fais-toi plaisir. Alors ça, c'est un jeu que j'avais acheté sur... J'avais acheté ça, c'est Micromania. Bon, c'est pas terrible. Bon, j'avais acheté ça, je crois, 10 balles ou 15 balles. Voilà, ça c'est pareil, c'est une compilation de jeux de téléphone assez bien pourri. Voilà, donc je te les déconseille, c'est vraiment de la merde. Voilà, pareil, j'avais acheté ça, je sais plus combien, 10 balles. Alors là, je te présente le fameux collector Super Mario 3D hein, qu'on trouve encore partout. Alors ça, je te présente un jeu, c'est Turrican. Hein. C'était une compilation qui était ressortie pour les 30 ans de Turrican. Voilà. Alors après, on va passer sur un jeu que j'ai acheté d'occasion. Voilà, c'est Action Verge. J'ai dû acheter ça une vingtaine de balles, je crois. Voilà. Après, on va passer sur un jeu qui est sympatoche. C'est Super Mario Maker 2. Voilà. Donc, après, c'est pareil. On va passer sur un jeu que j'ai acheté d'occasion, qui est Mortal Kombat 11. Et qui vaut 20 balles ou 25 balles, je crois. Et qui prend, je sais plus combien de gigas pour l'installation. C'est un truc de ouf. Alors là, on va passer sur un jeu qui est sorti il y a pas très longtemps, c'est Mario Party Superstar. Sympatoche, mais très 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 répétitif. Alors ça, c'est le Mario Buzzer Fury. Voilà, ça c'est la jaquette retournée. Donc, un super bon jeu, si tu l'as pas, je te le conseille fortement. Bon, alors là, on arrive sur un jeu qui est assez exotique, mais il faut kiffer. Voilà. Alors je te laisse lire le titre, voilà, hein. On n'est pas là pour s'emmerder. Il y a le Street Fighter New Challenger Collection. Alors ça, franchement, c'est l'un des meilleurs Street Fighter que tu peux trouver sur la Nintendo Switch. Tu as aussi le Paper Mario. Voilà, alors Paper Mario Game of King, franchement, j'y ai joué une trentaine d'heures, je ne l'ai même pas fini, voilà quoi. Alors ça, c'est un best-seller, ça. Ça, faut absolument l'avoir tout simplement dans sa collection Ni no Kuni. Franchement, c'est un jeu de ouf. Franchement, c'est... Une réédition, mais au taquet. Alors, t'as ça. Ça, c'est pas mal, mais ça casse pas quatre pattes un câlin. Voilà. Tout ça, c'est des jeux que tu trouves généralement pour pas trop cher. Alors là, tu vas voir, j'ai aussi le Monster Hunter Rise que j'ai acheté 40 balles d'occasion. Voilà. Un très, 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 très bon jeu. Très, très long. Très, très complet. Voilà. Alors là, on arrive sur un jeu de bagnole. Hein, c'est CTR Crash Team Racing qui est un pas mauvais jeu. Qui est sympatoche. Alors là, on va se pointer sur un mousseau qui a été pour moi une belle découverte. C'est Hyrule Warriors, l'ère du fléau. Franchement, si tu kiffes les mousseaux, l'histoire n'a rien à voir avec Zelda Breath of the Wild, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Alors là, une petite compilation de jeux SMK où il y a une quarantaine de jeux, je crois. Franchement, ouais, sans plus. Sans plus, hein, sans plus, hein, sans plus. Alors là, t'arrives sur une version de Trial. Un Trial Fusion, si tu connais ce jeu, fais-toi plaisir. C'est le truc pour naquer, pour tout simplement flinguer tes manettes. Hein. Voilà, il est sympa, mais sans plus. Voilà. Alors là, on arrive sur une pépite. Hein. Ça, franchement, ce jeu, il est très très dur, mais il a une ambiance sonore de psychopathe. Franchement, moi, je l'ai adoré. C'est tout simplement Valveris. Voilà, qui coûte 30 ou 40 balles à l'époque quand il est sorti en boîte. Voilà. Bon, maintenant, on va passer sur une édition Limited Run.
mais après qui est sorti partout, c'est tout simplement Street Fighter 4. Voilà, ça c'est l'édition collector de, comment on l'appelle, Limited Run, voilà. Bon, maintenant on va passer sur un autre jeu, hein. Alors, qu'est-ce que c'est ça, hein, pour toi qui va chercher, qui va jamais trouver ce que c'est? C'est tout simplement la jaquette retournée de Toki, voilà, en collector, que j'avais payé 30 balles avec la petite bande d'arcade. Alors là, on arrive aussi sur une version collector Limited Run qui n'est pas déblistée. On se retrouve avec le Castlevania Collection. Voilà, Limited Run que j'ai payé 60 balles sur, il me semble, Amazon, si je te dis pas de conneries. Alors celui-là, je vais pas le montrer parce que voilà. Alors celui-là, c'est un petit jeu sympatoche. Franchement, si tu kiffes les petits jeux de baston, sans prétention, celui-là, je te le conseille. Franchement, il est sympatoche. Voilà, tu peux le trouver pour 20 balles. Voilà. Alors ça, c'est... un truc assez what, une grosse dope. Moi franchement, je vous le déconseille. Si vous le voyez quelque part dans un bac et vous le tentez, il vous tente, prenez le pas. C'est un jeu de Gundam, il est complètement buggé du cul. C'est vraiment de la poudre de perlimpinpin. C'est vraiment de la grosse bip bip. Bon, alors là on se retrouve aussi avec le Assassin's Creed remasterisé. Voilà, il y en a pour tout le monde. Tu aimes pas, voilà. Alors après on va tomber sur un jeu qui est complètement naze. Mais je l'ai acheté pour le fun, c'est Qui veut gagner des millions. Franchement, c'est une grosse purge, voilà. Alors là, tu te retrouves avec un collector, hein, c'est le Wonder Boy. Franchement, celui-là, si tu kiffes, fais-toi plaisir, franchement, ce jeu-là, c'est une tuerie. Voilà. Bon, maintenant, on va tomber aussi sur une version Limited Run. C'est cette version-là, voilà. Alors, cette version-là, je l'ai payé 90 balles avec plein de goodies. Franchement, très 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 bon jeu. Tu le trouves maintenant sur le shop à 15 balles le jeu, je crois. Alors là, tu vas tomber tout simplement sur un best-seller, un Trial of Mana. Si tu connais pas, t'as rien connu dans ta vie. Voilà, maintenant on va tomber aussi sur un collector. Ça, c'est un collector qui était sorti, je sais plus à combien d'exemplaires. Il y a une boîte aussi, une boîte en ferraille, c'est le Flashback. Hein. Maintenant, tu le trouves pour que dalle sur le shop. Voilà. Maintenant, on va passer sur une valeur sûre, hein, pour tous les mecs qui kiffent le Dragon Ball Z. Hein. Le Dragon Ball Z qui tourne du feu de Dieu sur Nintendo Switch. Voilà. Et puis, pour finir, le dernier Street Fighter de la collection. Voilà, c'est le Street Fighter 30e Anniversary Collection. Donc là, tu as l'intégralité de mes... de ma première vague de jeux Nintendo Switch. Je sais pas, il y en a combien, t'as qu'à compter, fais-toi plaisir. Bon, moi je te laisse là, tu vois, c'est une petite vidéo qui fait déjà pas loin de 10 minutes. Je te laisse, je te souhaite une bonne fin de journée et reste à l'affût, je te montrerai le reste de mes jeux en boîte. Allez, salut les amis, on se dit à plus dans le bus.